le grand hamster d'Alsace met la France au pied du mur. Notre pays va en effet comparaître en justice devant la Cour européenne pour non-assistance à espèces en danger, avec une possible amende à la clé de 17 millions d'euros. Alors certes, le grand hamster d'Alsace est moins charismatique que l'ours polaire ou le gorille des montagnes, et pourtant la problématique qu'il soulève est exactement la même. En plein sommet de Copenhague, comment concilier développement économique et biodiversité, c'est le sujet de cette émission. Mais d'abord, un portrait robot de cet empêcheur de tourner en rond. C'est un gros rongeur qui ne ressemble pas vraiment au hamster qu'on connaît, qui est le hamster doré. On l'appelle aussi la marmotte de Strasbourg. C'est un animal qui a un assez sale caractère, puisque c'est un animal qui peut être par moments relativement agressif. Mais c'est un animal qui vit chez nous, en Alsace, et en France uniquement en Alsace, depuis au moins le néolithique. Il adore les terrains de leuse, donc les terres sèches, dans lesquelles il creuse ses galeries. Donc en hiver, là maintenant, il est parti, il va dormir, se nourrissant sur les réserves qu'il a collectées pendant toute la saison d'été. Et au mois d'avril, il va ressortir, et donc on aura un trou, et chaque trou correspondra à un hamster. C'est comme ça qu'on arrive à dénombrer à peu près le nombre de hamsters qu'on a encore en Alsace. Malheureusement, il en reste vraiment très 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 peu. Alors avant, quand on parlait du grand hamster dans les milieux politiques, ça faisait un peu rire, plus du tout là. Non, pas du tout, puisque la France risque prochainement d'être condamnée par la Cour européenne de justice et par la Commission qui déterminera un montant d'amende, et on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce qui fait que ça me fait plus rire, et nous on aurait préféré que ces sommes soient consacrées à la protection du grand hamster sur le terrain plutôt qu'à payer des amendes, mais là on aurait dû s'y prendre peut-être un peu plus tôt. Est-ce que le grand hamster est un bon indicateur écologique ? Le grand hamster est ce qu'on appelle une espèce phare, c'est-à-dire que le grand hamster permet, là où il y a du grand hamster, on sait qu'il y a d'autres animaux qui vivent, qu'il y a des insectes, et donc ça, c'est un indicateur de la qualité des milieux. Alors il a une relation un peu compliquée avec les humains, parce qu'il était espèce nuisible, maintenant il est protégé mais il disparaît quand même. Racontez-nous un peu cette saga du hamster et des hommes. Le hamster et les hommes, comme le hamster fréquente les champs entre autres de céréales et qu'il y fait ses réserves de provisions, il fait effectivement quelques dégâts aux cultures, et donc très longtemps il était classé nuisible, et comme c'était une espèce relativement prolifique, ça posait pas vraiment de problème. Il y avait même des primes à la queue. Les jeunes Alsaciens se rappellent que jusque dans les années 50-60, il y avait une prime pour chaque hamster capturé. Et il est passé brusquement, parce que les pratiques agricoles ayant changé, son milieu ayant été morcelé, il est passé brusquement en 93 du statut d'espèce nuisible au statut d'espèce protégée, et même maintenant au statut d'espèce qui est au bord de la disparition. Voilà, petit mammifère, mais gros problème. Il y a déjà eu deux plans d'action pour sauver le grand hamster, le dernier date de 2007. Et pourtant, au dernier recensement, il ne resterait plus que 648 représentants de l'espèce en Alsace, soit environ moitié moins qu'il y a 10 ans. Alors comment expliquer cet échec et que faut-il faire maintenant ? Les principales associations de défense de la nature ne sont pas d'accord entre elles, avec deux grandes tendances. Alsace Nature pense que la solution passe par une concertation avec les élus locaux, tandis que l'association de sauvegarde de la faune sauvage, qui a déposé la plainte auprès de la Commission européenne, compte avant tout sur l'arbitrage de l'État, qu'elle veut ainsi forcer à agir. Nous avons décidé dans cette émission de confronter leurs points de vue sur une série de thèmes. Alors, quel est exactement l'objet de la plainte que vous avez déposée auprès de la Commission européenne et pourquoi l'avoir déposée ? La plainte pour la déposer à la Commission européenne est simple, c'est que le hamster est en voie d'extinction totale en Alsace. Ses biotopes n'ont pas été maintenus. C'est surtout donc le manque de la France aux obligations des directives européennes. Alors sur le fond, c'est une bonne chose parce que c'est une plainte qui en fait correspond à une certaine inactivité de l'État et des autres acteurs publics d'ailleurs en matière de protection du hamster. Donc le fait d'avoir engagé cette plainte vis-à-vis de l'Union européenne a permis de rendre conscients les acteurs qu'on ne faisait pas suffisamment en faveur de la protection de cette espèce protégée. Est-ce que c'est soit être au chômage ou soit sauver le grand hamster ? On peut concilier, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous on est tout à fait d'accord si on fait des mesures compensatoires correctes pour le grand hamster, qu'on fasse de renforcement de population, mais qu'on maintienne toute la biodiversité. Le hamster est l'emblème de la petite faune des champs. Et donc, si vous voulez, si on maintient le hamster, on maintient le linéaire criard, le courlis, le lièvre et toute la petite faune. Je ne poserai pas forcément la question en termes de développement économique ou hamster, mais ça serait plutôt d'imaginer de façon plus générale un modèle d'organisation de notre société qui soit le plus compatible possible avec l'environnement, les milieux naturels en général, dont le hamster est un des éléments. Alors vous accusez qui ? Les acteurs locaux, l'État, tout le monde ?
À l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est les acteurs locaux, parce que l'État essaye de faire son possible de maintenir le hamster. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je regarde l'ACUS, le Conseil général du Bas-Rhin et Alsace Nature qui ont signé un plan cadre, où est-ce qu'on met que le hamster, on peut le maintenir simplement sur les deux dernières années, ça veut dire qu'ils ont travaillé sur un schéma d'urbanisation et non d'intérêt général, donc d'intérêt privé et non d'intérêt général sur l'espèce et non scientifiquement. Alors, nous avons fait le choix à un moment donné de dialoguer, de négocier avec ces acteurs-là, donc le Conseil général, la Chambre d'agriculture, les communes et l'État, bien entendu, parce que ce sont eux qui ont concrètement la possibilité d'améliorer la situation du hamster. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Alors c'est un choix qui n'est pas forcément toujours très facile à tenir, parce qu'effectivement on peut nous dire oui mais vous êtes du côté d'eux. En fait on n'est pas du côté d'eux, on est en discussion avec ces acteurs, et ce que nous essayons de faire justement maintenant c'est d'entraîner ces acteurs dans une dynamique beaucoup plus ambitieuse en faveur du hamster que ce qui se passe jusqu'à présent. Alors Alsace Nature et vous voulez la même chose au final, sauver le hamster? Alors, est-ce que vous avez juste choisi des stratégies différentes, ou alors vraiment pour vous, Alsace Nature a été acheté? Ben, Alsace Nature a été conventionné avec le Conseil général du Bas-Rhin, comme la Chambre d'agriculture d'ailleurs. Donc je pense que Alsace Nature, elle suit le Conseil général du Bas-Rhin. Elle attaque l'État officiellement, mais elle attaque jamais les collectivités. Ce discours-là, il est fondé sur rien. Hein, il n'y a pas de corruption. Nous sommes dans une société démocratique. Dans les sociétés démocratiques, le compromis est une pratique courante, hein, que tous les acteurs pratiquent à un moment ou à un autre. Donc nous sommes inscrits dans cette démarche-là et nous pensons que différentes stratégies peuvent cohabiter. Moi, je n'ai rien contre la stratégie des associations du type de celle de Jean-Paul Burger, dans la mesure où elles sont respectueuses des personnes et des structures et ne diffusent pas des contre-vérités manifestes. Donc nous sommes favorables aussi à des stratégies comme ça, et on peut essayer de réfléchir et de se dire qu'on peut développer différentes stratégies, mais dans un but commun. Chantal Joanneau devait venir demain à Strasbourg. Finalement, elle ne vient pas. Qu'est-ce que vous attendiez de sa visite ? De toute façon, même s'il ne vient pas, il faut savoir une chose, que la ministre y croit qu'est-ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle est là pour sauver l'environnement, la biodiversité. Si localement on ne la suit pas, ce n'est pas le ressort du ministère de l'Environnement. Il faut savoir que c'est nos élus locaux qui sont responsables de la disparition du grand hamster. Et disons que j'emploierai tous les moyens juridiques, quels qu'il faut, pour sauver l'espèce, soit devant les tribunaux administratifs, soit au pénal, soit donc devant la Commission européenne. On attendait moins des déclarations concrètes qui seraient prises par la ministre de façon un peu unilatérale que une véritable volonté d'animer un petit peu le débat autour des différents acteurs concernés par le hamster et l'affichage d'une volonté ambitieuse d'aller ensemble dans ce sens-là. Et donc c'est ça que nous aurions aimé entendre, et aussi d'autre part que l'État soit aussi le plus cohérent possible dans le cadre de ces différentes politiques. Et on sait que l'État a en charge la protection du grand hamster, c'est une chose, mais l'État a aussi en charge un certain nombre de politiques d'infrastructure. Alors on peut citer le grand contournement ouest de Strasbourg, on peut citer la rocade sud de Strasbourg, ou même la ligne à grande vitesse est, hein, du TGV Est, la deuxième phase, qui ont, tous les trois projets ont des impacts assez sérieux sur les terres favorables au hamster. Et donc on aimerait bien que l'État donne l'exemple et soit conséquent avec lui-même et renonce à un certain nombre de ses projets, en particulier le GCO, qui au-delà de la question sur le hamster, n'a pas démontré son utilité par rapport au problème de circulation autour de Strasbourg. Si le hamster a disparu, toute la faune a disparu. Il faut savoir que tout est en train de disparaître en Alsace, dû à la monoculture de maïs et à la surbanisation. Il faut savoir que 75% est en maïs, en plaine. Il faut savoir qu'entre 1000 et 1200 hectares passent en urbanisation chaque année en Alsace. Et c'est-à-dire que la nature disparaît en peau de chagrin. Il n'est pas encore tout à fait trop tard, mais il est grand temps de se réveiller et de mettre en place un véritable programme de grande ampleur qui répond aux enjeux actuels. Nous sommes véritablement à minuit moins 5, on va dire, puisque l'espèce est encore présente, mais elle ne sera pas encore très longtemps si les choses ne s'améliorent pas de façon très très significative. Merci messieurs, rendez-vous dans 6 mois à 1 an pour connaître le résultat de cette plainte devant la Cour européenne.